Les patrons, vous êtes en train d'arriver, qu'il veut, parce que le travail, finalement, le patron va te dire, il n'y a plus d'argent. Le patron risque de te dire qu'il n'y a plus d'argent. Donc, pour le moment, tu vas rester à la maison. Lorsqu'on aura l'argent, on va t'appeler. Mais le Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé, le travail que tu luttes, tu n'as pas dit de ne pas travailler. Mais l'effort que tu fournis pour le travail, où tu te réveilles à 5h du matin, où tu te réveilles à 4h du matin, où tu te réveilles chaque matin très tôt pour lutter la véhicule, bien-aimé, le Seigneur te pose la question, est-ce que tu prends conscience que la mort est en train de te poursuivre et que tu vas lutter aussi pour le ciel? Et le Seigneur dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le roi des cieux est foncé. Et ce sont les violents qui se sont là. Est-ce que tu luttes pour aller au ciel? Je dis, est-ce que tu luttes pour aller au ciel? Je dis, est-ce que tu luttes pour aller au ciel? Bien-aimé, de la même manière que tu luttes le matin, tu te réveilles à 4h pour venir te pointer, pour avoir le véhicule, pour ne pas tomber dans le village. Bien-aimé, est-ce que c'est comme ça? Tu luttes, bien-aimé, pour aller au ciel. C'est la question que tu dois te poser ce matin. C'est la question que tu dois te poser ce matin. Le Seigneur dit, le roi des cieux est possible. Et ce sont les violents qui s'en parlent. Bien-aimé, est-ce que tu luttes pour aller au ciel? Bien-aimé, le péché, le diable est en train de distraire dans les occupations. Oui, tu passes le temps sur les choses qui ne font pas aux yeux de Dieu. Parce que l'éternel t'appelle ça. Mentalité. Tu vas avoir l'argent, tu vas avoir tout, bien-aimé, mais rater le ciel. Bien-aimé, est-ce que tu as pris la peine de faire la paix avec Jésus-Christ? Est-ce que tu t'es réconcilié avec le Seigneur Jésus? Est-ce que tu as fait la paix avec le roi des rois? Est-ce que tu t'es réconcilié ce matin avec Jésus-Christ? Alors, bien-aimé, le Seigneur te dit, repends-toi avant qu'il ne soit trop tard. Alors ce matin, le Seigneur Jésus te dit, réponds-toi. Est-ce que tu as fait la paix avec Jésus-Christ? Ma soeur, si je te pose la question ce matin, est-ce que tu as fait la paix avec Jésus-Christ? Mon bien-aimé, si je te pose la question ce matin, est-ce que tu as fait la paix avec Jésus-Christ? Ma bien-aimé, mon bien-aimé, jeune homme, oui. Bien-aimé, je vais te poser la question. Est-ce que tu as fait la paix avec Jésus-Christ? Regarde, c'est là qui est ton attention ce matin. Regarde ce que le Seigneur dit dans le livre des Proverbes. Écoute ce que le Seigneur Jésus te dit ce matin. Bien-aimé, toi tu te lèves le matin,
Oui, tu te révèles le matin pour lui dire le vécu. Mets ça dessus. Mais tu dois aussi lutter pour que ton âme soit sauvée. Tu dois aussi lutter pour pouvoir rentrer au ciel. Tu dois aussi lutter pour pouvoir rentrer au ciel. Amen. Alors ce matin, le Seigneur te dit, je vais. Regarde ce que le Seigneur Jésus te dit dans le livre d'Ecclésias, chapitre 12, verset 1. Ecclésias, chapitre 12, verset 1. Oui. Jeune homme. Alors le Seigneur te dit, toi jeune homme. Réjouis-toi dans ta jeunesse. Toi jeune fille. Le Seigneur te dit ce matin, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie. Le Seigneur te dit, livre ton cœur à la joie. Pendant les jours de ta jeunesse. Pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur. Marche dans les voies de ton cœur. Et selon les regards de tes yeux. Et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela. Mais le Seigneur te dit, sache que pour tout cela. Dieu t'appellera en jugement. Le Seigneur dit qu'il va t'appeler en jugement. Amen. Donc il est Dieu qui parle de jugement. Alors quand on parle de jugement, ça veut dire que tu dois avoir un avocat. Parce que la vie que tu mènes, bien aimé, tu vas comparer devant le roi des rois. Amen. La vie que tu es en train de mener, tu vas comparer devant Dieu. Mais tu dois avoir négocié et avoir un avocat avec ton vivant. Bien aimé. Oui, lorsqu'on envoie quelqu'un à la police, on lui dit que tu dois venir accompagner de ton avocat. Tu dois t'accompagner de ton avocat. Et la nature elle-même nous enseigne les choses de Dieu. Bien aimé, pour les choses de Dieu aussi, tu dois aussi, il y a un procès qui t'attend. Et le procès qui t'attend, tu dois t'accompagner d'un avocat. Amen. Mais le contrat, toi avec l'avocat, c'est maintenant que tu dois citer. Signer le contrat avec lui. Mmh. Et le contrat avec ton avocat, c'est de ton vivant que tu dois signer avec lui. Parce que Hébreux 9, verset 27 déclare. Hébreux chapitre 9, verset 27 déclare. Écoute bien, mon bien-aimé. Ma bien-aimé, ce matin tu t'es levé. Oui, pour éviter le vécu. Mais tu dois aussi lutter pour ton âme. Et le Seigneur nous envoie ici pour t'avertir. Pour éviter le péché, va te conduire en enfer. Le péché va t'empêcher d'aller au ciel. Le péché va t'empêcher d'aller au ciel. Amen. Le péché va t'empêcher d'aller au ciel. Amen. Alors tu dois te repentir. Oui. Le Père verset 27. Le Père chapitre 9, verset 27 déclare quoi? Et comme ils nous servaient ensemble. Alors le Seigneur dit qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Le Seigneur dit qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après toi vient le jugement. Après la mort, il y a un procès. Après la mort, il y a un jugement. Amen. Après la mort, il y a un procès. Amen. Alors, mon bien-aimé, c'est de ton vivant que tu dois faire signer l'accord avec ton avocat. Amen. C'est de ton vivant que tu dois signer l'accord avec ton avocat. Est-ce que tu es un avocat? Après la mort, est-ce que tu es un avocat? Est-ce que tu as quelqu'un qui va te défendre? Parce qu'il y a un jugement qui t'attend. Qui me défendra? Il y a un jugement qui t'attend. Et l'avocat, son nom c'est Jésus-Christ. Jésus. Alors, qui est pour signer l'accord avec l'avocat, tu dois être capable de tout lui dire, bien aimé. Alors, l'avocat n'est pas l'impunicité. L'impunicité, c'est quoi? L'impunicité, c'est avoir des rapports sexuels en mariage. L'impunicité, c'est quoi? C'est le copinage, oui. C'est le corps éclat. Oui. Alors, bien aimé, si tu vis dans les relations, ton corps éclat, bien aimé. La fois, je dis, tu ne peux pas signer de contrat avec un avocat dans cet état. Bien aimé, c'est pourquoi le Seigneur nous envoie. Et nous, bien aimé, repends-toi avant qu'il ne soit trop tard. Repends-toi du copinage. Repends-toi. Repends-toi des rapports sexuels en mariage. Repends-toi. Bien aimé, ceux qui ont le droit d'avoir des rapports sexuels, c'est ceux-là qui sont mariés. Et je me pose la question, es-tu marié? Es-tu couché avec les gens? Regarde ce matin, les gens, quand ils sont arrivés, ils vont y avoir un rapport. Ça va être marié. Et ils vont travailler. Et ils vont travailler. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux cela? Ça va être une malédiction sur toi. Oh. Et ce matin, je t'ai venu nous envoyer ici pour t'avertir. Pour que tu ne pas toi. Le pasteur, si tu es comme cela, il y a quelqu'un une abomination de l'homme. Oh ma bien-aimée, les temps sont finis. Oh bien-aimée, les temps sont finis. Repends-toi des rapports en mariage. Repends-toi. Les rapports en mariage. Les
Okay.
Dieu, et les félicités. S'habiller de manière à montrer ses formes, à montrer ses fils, tous ces choses que Dieu fait de la félicité. Et Dieu dit qu'il ne porte pas ta vie ici. Alors ce matin, le Seigneur Jésus t'appelle à la repentance. Réponds-toi. Réponds-toi avant qu'il ne soit trop tard. Réponds-toi avant qu'il ne soit trop tard. La trompette est déjà dans la bouche. La prophète est déjà dans la bouche. Et Dieu t'appelle, va t'appeler au jugement. Est-ce que tu as déjà ton avocat? Est-ce que tu as déjà quelqu'un qui va te défendre? Celui qui va te défendre, son nom c'est Jésus. Bien-aimé, il n'y a pas deux chemins pour aller au ciel. Il n'y a pas trois chemins pour aller au ciel. Jean chapitre 14, verset 6 dit. Jean 14, verset 6. Jésus lui dit quoi? Jésus le chemin. Le seul chemin pour aller au ciel. La vérité. Le seul juge pour te défendre. Et la vie. Le seul avocat pour te défendre. Son nom c'est Jésus-Christ. Alors dis, aimé, c'est que ton vivant que tu dois signer l'accord entre toi et l'avocat. Dis, aimé, pour un procès, pour comparaître devant un juge. Il peut t'accompagner d'un avocat. Et c'est l'avocat qui doit maintenant te défendre. Parce que devant la foi du ciel, tu n'as plus de parole. Tu n'as plus de parole. Tu ne pourras rien dire. Il faut que tu aies un avocat. Mais bien-aimé, as-tu un avocat ce matin? Question. Jeune, est-ce que tu as un avocat ce matin? Bonne question. Parce que demain, tu vas comparer devant le juge. Est-ce que tu as un avocat, ma soeur? Est-ce que tu as un avocat, mon frère? Regarde encore ce que l'avocat dit. Il dit, pour comparaître, pour te défendre, il faut que tu signes la paix avec lui. As-tu réellement accepté Jésus-Christ? Oh, as-tu fait la paix avec Jésus-Christ? Bien sûr. Regarde bien aimé. Le Seigneur dit, dans le livre de 1 Corinthiens, que celui qui détruit ce corps, Dieu aussi va le détruire. Celui qui détruit ce corps, Dieu aussi va le détruire. Mais comment est-ce qu'on détruit le corps? Un Corinthiens, chapitre 3, verset 16 à 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Amen. Et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Amen. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Mais alors le Seigneur dit que vous êtes le temple de Dieu. Alors, comment est-ce qu'on détruit le temple de Dieu? On détruit le temple de Dieu par quoi? Bien-aimé, si le paquet est cigarette, il est mis quoi? Abuse, dangereux pour la santé. Bien-aimé, en réalité, le vrai français dit que si tu me prends, tu vas mourir. Voilà le vrai mot qui est derrière. Mais quand quelqu'un commence à fumer la cigarette, il ne peut plus s'en passer. Il ne peut plus s'en passer. Mais le jour qu'il n'arrive pas à fumer, il commence à trembler sur lui. Oh. Il commence à trembler sur lui. Parce que derrière, il y a une substance qu'ils ont mis là, qu'on appelle la nicotine. Oui. Et la nicotine te pousse à toujours consommer. À toujours consommer. Maintenant, selon les médecins, la médecine déclare que la cigarette donne le cancer des poumons. La médecine déclare que le cancer de la cigarette donne le cancer des poumons. Quand il fume, soit formé. Alors laisse-moi te dire, Dieu dit que si tu détruis ce corps, quand tu vas passer au jugement, il va te demander des comptes. Amen. Quand tu fumes la cigarette, Dieu dit qu'il va te demander des comptes. Parce que la cigarette ne fait que te détruire. Même la loi de la Côte d'Ivoire dit que tu ne dois pas fumer en public. Oh. Que si tu fumes, tu te détruis, contaminer les autres, alors tu as une amende à payer. C'est parce que bien aimé, regarde comment est-ce que le Seigneur est en train de te parler. Et le Seigneur te dit que tu pourrais te répandre. Parce que derrière la cigarette, il y a la mort. Réponds-moi. En réalité, un fumeur, c'est comme quelqu'un qui veut s'attacher à un arbre. Et il met une corde à son cou et il se jette. Un fumeur, c'est quelqu'un qui se suicide. Bien-aimé, je ne suis pas venu dans le but de t'insulter, mais je suis venu te dire, voici les conséquences derrière ces choses. Oh. Les conséquences derrière ces choses. Mais on ne détruit pas seulement
corps avec la cigarette, on détruit le corps aussi par la dépigmentation. Quand tu changes la couleur de ta peau, tu détruis le corps. Tu ne dois pas te tchatcho. Corinthiens chapitre 3, verset 13. Corinthiens chapitre 3, verset 13. Oui, verset. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Alors le Seigneur dit que vous là, vous êtes le temple de Dieu. Et que l'Esprit de Dieu. Regardez, oubliez ces grandes églises. Oubliez ces églises où les gens sont. Toutes ces églises, toutes ces choses. Oubliez ces choses. Oubliez. Dieu n'est pas dans les grandes églises. Dieu n'est pas dans les baptistes. Où tu habites, c'est ton corps. Amen. Et Dieu dit que ton corps est le temple de Dieu. Alors si tu détruis ce temple, Dieu va te détruire. Mais comment est-ce que tu détruis ce temple? Tu le détruis comment? Par la masturbation. Oh. Par la dépigmentation. Oh. Tu le détruis comment? Par la débauche. Bien-aimé, regarde les conséquences derrière les rapports sexuels en mariage. Oh. Même si tu as des rapports sexuels soi-disant protégés. Même si tu as des rapports sexuels soi-disant protégés, il y a une malédiction dedans. Parce que le Seigneur Jésus dit que celui qui se lie à une prostituée soit un même corps, une même chair. Alors, si la prostituée a le pays Sida, toi aussi tu as le pays Sida. Bien aimé. Le Seigneur sera très capable à la repentance. Repends-toi, bien aimé. Le Seigneur te dit, repends-toi de la masturbation. Toi qui as fait du savon ta femme, repends-toi. Repends-toi de la masturbation. La masturbation, c'est quoi? On appelle cela aoko. Oh. C'est-à-dire tirer des plaisirs à travers lui-même que tu te touches. Tu touches ta partie intime et tu tires des plaisirs. Oh. Dieu n'aime pas cela. Il y avait un homme dans la Bible qui avait fait cela. Dieu l'a frappé de mort. Dieu l'a frappé de mort. Et ce nom, le nom de cet homme, c'est Onam. Onam aimait se masturber. Trois femmes, trois hommes. Tu aimes tirer des plaisirs par des accouchements. Et tu tires des plaisirs devant Dieu, c'est la prostitution, la fornication, la masturbation. Et Dieu dit que ça, ça va te conduire tout droit en enfer. Alors le Seigneur ce matin t'appelle à la repentance. Tu as dit l'homme qui verra son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Tout est dit aujourd'hui. Toi, homme, tiens, Jésus est le faire. Tu jettes tout ta femme. Tout est-il que tu décides de faire du savon ta femme? Tout est-il de ton femme? Tu décides de faire du concombre de ton mari. Tout est-il que les belles pratiques soient de notre belle partie? Et c'est pourquoi plusieurs, malheureusement, se retrouvent dans les couches de lui. C'est pourquoi plusieurs se retrouvent avec des femmes de lui, avec des maris de lui. Mais bien aimé, je t'assure, si tu es un mari de lui, si tu es une femme de lui, tu ne peux jamais rentrer au ciel. Et à chaque fois que tu te relèves, le matin que tu es mouillé, sache qu'on t'a dépouillé de toutes tes grâces. C'est pour ça qu'on a des jeunes filles, quelles qu'elles soient belles, elle commence à devenir vieille fille sans pouvoir se marier. D'autres personnes avec des diplômes, mais qui n'arrivent pas à travailler. Alléluia. Amen. Bien aimé, le Seigneur Jésus qui t'a appelé à la pureté, il t'a appelé à la sainteté, selon 1 Thessaloniciens, chapitre 4, partie du verset 3. Tu ne peux pas être agréable à Dieu si tu ne fais pas ce que Dieu veut. Si tu ne fais pas ce que Dieu veut, tu ne peux pas lui être agréable. Il est écrit dans le livre de Jean 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. En d'autres termes, si vous m'aimez, faites ce que je dis. Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Alors tu le désires que tu te sanctifies. Amen. Le Seigneur désire que tu te dépouilles. Le Seigneur veut que tu te sanctifies. Amen. Le Seigneur veut que tu te sanctifies. Amen. Ton corps doit être sanctifié. Alléluia. Ton âme doit être sanctifié. Amen. Ton cœur doit être sanctifié. Oui. Alors plus je dis que Dieu ne regarde pas au corps, que Dieu regarde au cœur. Dieu ne regarde pas au corps, mais Dieu regarde au cœur. Alors, bien aimé, c'est une mauvaise interprétation. C'est une très mauvaise compréhension des écritures.
c'est le livre de Marc, chapitre 7, verset 21 dit. Marc, chapitre 7, verset 21. Marc, chapitre 7, verset 21. Verset 21. Oui. Car, c'est du dedans, c'est du dedans. C'est du cœur des hommes. C'est du cœur des hommes. Que sont tes mauvaises pensées? Alors les mauvaises pensées. Les mauvaises pensées. La masturbation. Regardez les films pornographiques. Regardez la nudité des femmes. Regardez, écouter la musique mondaine. Danser, boire. Et toutes ces choses viennent du cœur. C'est parce que tu le penses et tu aimes ça que tu le pays. Tu pratiques ces choses. Et Dieu dit quoi? Continue. Les adultères, c'est parce que quand une femme veut tromper son mari, elle a déjà préparé cela dans son cœur. Et maintenant, elle met ça en pratique. Elle exécute cela. Elle a déjà médité cela. Oui, continue. Les impudicités. Les impudicités. Alors qu'un homme vient avoir des rapports sexuels avec une fille dans le quartier, il a déjà préparé cela. Oui. Une jeune fille a déjà préparé cela. Et cela vient de son cœur. Les meurtres, la colère contre son frère, c'est un meurtre. Toi, tu n'aimes pas pardonner. Toi, tu dors sous ta colère. Toi, tu gardes la colère. Et tu te dis, mort. Moi, je ne laisse pas. Moi, je dors sous ma colère. Bien-aimé, le Seigneur est un colérique. Quelqu'un qui dort sous la colère est un maître. C'est un tueur. Les vols. Alors, c'est de ton cœur que vient. Oui, qui te pousse à aller voler. C'est ton cœur qui te pousse à aller forer. Oui, bien-aimé, et toutes ces choses, elles sont toujours bien du cœur, à escroquer, à mentir, à prendre l'argent de lui, à voler, prendre l'argent, bien-aimé, laisse-moi te dire, toi voleur, toi tu voles, si tu ne te réponds pas, laisse-moi te dire que ta place, tu vas te retrouver en enfer. Et Dieu ne veut pas que tu partes en enfer. C'est pourquoi il nous envoie ici pour te parler. On a des femmes qui volent l'argent de leur mari. Lorsque celui-là rentre étant fou, elle fout son sac, elle fout sa veste, et elle souffre de l'argent. Bien-aimé, si tu ne te réponds pas, tu vas finir en enfer. Réponds-toi. Je te dis encore, toi jeune fille, tu escroques les garçons. Tu demandes l'argent de taxi, tu demandes les vêtements, tu demandes tout, alors que tu sais pertinemment que tu ne vas pas les épouser. Tu n'aimes pas le jeune, tu ne l'aimes pas, mais tu n'as pas ton caou. Tu n'as pas ton caou. Tu appelles ton pointeur et tu fabriques des mensonges pour lui soutirer de l'argent. Et tu le prends et tu ris. Lorsqu'il te donne d'autres, tu commences à rire. Alors, je vais faire quoi avec toi? Laisse-moi te dire, tu es une voleuse et une menteuse. Et laisse-moi te dire, si tu meurs dans cet état, tu ne peux pas hériter le ciel. Tu dois aller rembourser l'argent de cet homme. Tu dois lui restituer son argent. Tu dois lui restituer tout ce que tu lui as pris. Parce que tu sais que tu ne vas pas accepter cette avance. Tu ne vas pas le marier, mais tu le fatigues et tu prends son argent. Et mon Dieu, tu es une voleuse. Voilà un autre type de voleuse. Les voleuses des maris des gens. Tu vois un homme marié, tu sais pertinemment qu'il est marié, mais parce que tu vois que tu vas gagner de l'argent derrière lui, tu commences à sortir avec le mari de lui. Bien aimé, et ce qui me donne, c'est que tu vas à l'église. Toi, tu es deuxième femme. Troisième femme, quatrième femme, devant Dieu, tu es une voleuse. Deuxième femme, troisième femme, quatrième femme, cinquième femme, tu es une voleuse de foyer. Bien-aimé, toi aussi, tu épouses trois femmes, tu es un adultérien. Et le Seigneur te dit, si tu meurs dans l'adultère, tu vas te retrouver en enfer. Toi, tu vois le frère de ta camarade, et tu appelles ça, non, je gère la pizzi. Là, je suis comme on appelle. Un pompier, je suis quoi? Deuxième bureau. Je suis deuxième bureau. Tous ces choses devant Dieu. Bien-aimé, tu ne peux pas hériter la gloire de Dieu. Tu es une voleuse. Si tu ne veux pas gérer à l'église, si tu ne veux pas danser à l'église, faut que tu vives à l'église, tu ne veux pas au ciel. Voici bien-aimé qui va bien le sens. Alléluia. Regarde dans ce phénomène que nous constatons aujourd'hui. Nous, on est des anciens visiteurs de prostituées. Et quand on arrivait dans un chef de prostituées, on met des prostituées en courant. On met des prostituées en pantalon, des feuilles. On met des prostituées en mini-jupe. On met des prostituées en mini-robe. On met des prostituées avec des persines sur le nez. Avant de se déclarer que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Alors toi, qui est le
de Jésus. Si la prostituée porte le Coran, tout vient dire que toi, fille de Jésus, tu portes le Coran. Attends. Où est la différence entre toi et la prostituée? Si les mêmes juifs que la prostituée portent, toi aussi, enfant de Jésus, tu te promènes avec les mini-jupes. Où est la différence? Il y a quelqu'un qui a chanté et qui a dit, entre celui qui a créé l'argent et celui qui a créé le Coran, qui est le plus dangereux de Dieu? Bien aimé, je t'informe ce matin que le créateur du Coran, c'est Satan. Parce que Francis, ce qui est dit dans le Coran 22, verset 5. On va aujourd'hui. Si un homme aujourd'hui tient, imaginons un instant que nous étions venus en jupe. Je vais commencer à vous parler de Jésus. Je prends le chapitre 22, verset 5. Amen. Une femme, de mon frère et sur ma soeur. Je vois ce matin plusieurs soeurs. Elles sont en mini-jupe. Elles sont en bikini. Et si je leur pose la question, elles vont me dire qu'elles vont au travail. Mais la prostituée, si ça vit comme ça. La prostituée, si ça vit comme ça. C'est même un plus loin. Elle en bikini. Elle en mini-jupe. Que les femmes de Sarah, la femme d'Abraham, elle était épousée.
trouver des plus gros dans lequel je me suis de la part de Dieu. Alléluia. Amen. Bien aimé, si tu épouses une femme, on devait regarder à la fin de ce qu'elle expose les églises. Toutes les prostituées seraient déjà mariées. Alléluia. Amen. Si on voulait épouser les femmes qui connaissent, qui mettent des petits sur les cheveux, les femmes qui portent des longues mèches, les femmes qui portent des collants, des pantalons, on devait épouser toutes les prostituées. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est la famille des mères qui compte devant Dieu. Et je te préviens, si tu ne te lèves pas, si tu ne rachètes pas les dons, si tu ne fais pas la part avec Jésus, si tu ne changes pas ta mauvaise façon de t'habiller, oh, tu ne pourras jamais rentrer chez Jésus. Ah, car rien n'est pur ni de souillé, rentrerait chez lui. C'est le Saint d'Israël. Quand on dit Saint-Esprit, c'est un esprit qui est saint. Il n'a aucune part avec les pureté. Alléluia. Et d'être guéri. Le Seigneur t'aime. C'est pourquoi il nous envoie ici ce matin. Le Seigneur Jésus ne veut pas que tu meurs et que tu te retrouves en enfer. Alléluia. L'enfer, ce n'est pas un lieu de repos. L'enfer, c'est un lieu de tourment. L'enfer, c'est un lieu qui est terrible. Et il ne faut pas que tu souhaites même à ton pire ennemi l'enfer. Et c'est pourquoi le Seigneur, ce matin, nous voit ici pour t'avertir. Bien-aimé, le péché va t'empêcher de rentrer au ciel. Et ce matin, le Seigneur s'appelle à la repentance de ton droit. Ma bien-aimé, regarde ce qu'il est écrit dans le livre de 1 Timothée 2:9. 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2, verset 9. Je veux aussi. Le Seigneur Jésus dit, je veux aussi. Le Seigneur Jésus dit, que je le Seigneur t'a dit que la femme s'habille d'une manière décente, avec pudeur. Le Seigneur t'a dit que la femme s'habille d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Avec pudeur et modestie. Amen. Alors, le Seigneur ne veut pas que tu exposes ton corps. Le Seigneur ne veut pas que tu prennes des bikinis. Amen. Le Seigneur ne veut pas que tu prennes des culottes. Amen. Tu vas te promener. Parce qu'une femme a bien ici. Elle fait honte, bien-aimé. Et le Seigneur, lorsque tous les hommes te regardent, couchent avec toi. Hey. Est-ce que quand tu sais que tu as bien ici, les mouches, tous les mouches viennent chier sur toi. Oh. Bien-aimé, c'est comme l'avocat, comme l'homme de Dieu a cité. C'est comme une bonne qui est exposée. Bien-aimé, c'est pas qui vient coucher avec toi. Hey. Bien-aimé, lorsque l'homme regarde une femme, le simple fait de te regarder, il a déjà touché avec toi. Amen. Matthieu 5, verset 27 à 28. Regarde, comment ce matin tu es prêt à lutter le véhicule pour aller au travail. Regarde comment tu es prêt à lutter le véhicule pour aller au travail. Est-ce que tu luttes aussi le ciel comme ça? Oh. Est-ce que de la manière que tu luttes le véhicule pour aller au travail, est-ce que c'est de la même manière que tu luttes pour aller au travail, à la ancienne? Yes. Bien-aimé, le Seigneur dit que depuis le temps de Jean-Baptiste, jusqu'au jour, aujourd'hui, le roi est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Ceux-là qui se sont répandus et ont abandonné le péché, c'est ceux-là qui vont au ciel. Hey. Alors le Seigneur de ce matin te dit, repends-toi. Repends-toi. Regarde comment tu es prêt à lutter le véhicule pour aller au travail. Jusqu'à même, tu luttes avec ta soeur pour avoir la bonne place, pour ne pas rater, pour ne pas être en retard. Mais laisse-moi te dire, le péché va te mettre en retard. Hey. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit, rachetez le temps. Parce que le péché, le diable veut te mettre en retard. Et le Seigneur ne veut pas que tu sois en retard. C'est pourquoi il te dit, rachète le temps. Oui, 1 Timothée 2. Matthieu, chapitre. 1 Timothée 2. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, ne se parlent ni de tresse. Alléluia. Amen. 1 Timothée chapitre 2, verset 9. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parlent
ni de tresse, ni d'or, ni de pelle, amen. Ni de vêtements luxueux, amen. Alléluia, amen. Voici ce qu'il a dit dans le livre de 1 Timothée chapitre 2, verset 9 à 10. Je veux que tu tendes l'oreille. Je lis au nom de Jésus. Amen. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente. Amen. Avec pudeur. Avec pudeur. Et pour Jésus. En cachant les parties intimes de ton corps. Père. Tu ne peux pas marcher devant les gens en exposant tes cuisses. Tu ne peux pas marcher devant les gens en exposant ta poitrine. Amen. Bien-aimé, tu ne peux pas marcher devant les gens et tout le monde voit tes aisselles. Ça n'a pas de sens. Ce sont des parties sensuelles de ton corps. Ton dos est une partie sensuelle de ton corps. Tu dois couvrir ton corps de la même manière que l'or est caché. Le diamant est caché. Les perles sont cachées. C'est de la même manière que ton corps, qui est plus précieux que le nom, doit être caché. Amen. Alléluia. Amen. Continuons de Dieu. Et me dis-tu, oh, tu ne dois pas vouloir acheter des choses extravagantes. Alléluia. Amen. On a des prétentions fort de Dieu aujourd'hui. Nous avons acheté des perruques à plus de 100 000, 150 000. Déjà que les perruques, c'est les faux cheveux. Alléluia. Amen. Mais tu achètes ça. Le pire, tu dépenses ton argent pour jeter dessus. Tu es prêt à dépenser plus de 50 000 pour vêtements qui exposent tes parties intimes. Oh, attention à ton âme. Ne sais pas, ni de tresse, ni de tresse dans la version des français du monde. Il est dit, ni de coiffure compliquée. Bien aimé, lorsque tu défiles tes cheveux, ta coiffure est encore simple ou elle est devenue compliquée? Question. Lorsque tu veux teindre tes cheveux en jaune, en vert, en bleu, en noir, ta coiffure est encore normale ou elle est devenue compliquée? Bonne question. Lorsque tu prends des faux cheveux, tes cheveux de mort, tes cheveux en plastique, tes cheveux en tonjou, et que tu mets sur ta tête, alors que Dieu, qui a bien fait toute chose, t'a donné des vrais cheveux, est-ce que ta coiffure est encore normale? Bonne question. Dieu ne peut pas te donner de vrais cheveux. Et tu estimes que Dieu a raté son travail. Tu dois reprendre les cheveux des morts pour les mettre sur ta tête. Bien-aimé, et tu prétends être en père de Jésus. Est-ce que tu passes au salut de ton âme? Réponds-moi. Réponds-toi, bien-aimé. Face à vous, Dieu. Ni de tête, ni d'or, ni de pelle, ni d'habits somptueux. Mais qu'elle se parle de bonnes œuvres. Amen. Bien-aimé. On dit ni de pelle, ni d'or, ni d'habits somptueux. Mais je vais te rappeler que le métal le plus précieux, c'est de l'or. Dieu qui dit qu'il a pourtant des projets de paix, de joie et de bonheur. Lui qui fait la meilleure chose, il n'a-t-il pas dit dans sa parole qu'il te donnera les meilleurs fruits du pays? Mais c'est l'or qui est le plus précieux des métaux. Dieu te l'interdit. Est-ce que c'est l'argent qu'il va accepter? Jamais. Est-ce que c'est le fer, jamais. Le bronze ou le cuivre qu'il va accepter? Jamais. Bien aimé, tu as pris ton corps comme le sapin de Noël. Les bagues, c'est toi. Les gilets de pied, c'est toi. Les paillons tout meilleurs, c'est toi. Les faux cheveux, c'est toi. Les persines aux oreilles, c'est toi. Les persines au nez, c'est toi. Les persines aux paupières, c'est toi. Les persines aux nombrils, c'est toi. Les persines aux bouts des seins, c'est encore toi. Ton corps est-il devenu parfois? Oh mon Dieu, il peut plus être un campion. Tu es si content de nous avoir. Nous étions très bien. Proverbe chapitre 1, verset 31. Alléluia. Ils se nourriront du fruit de leur voix. Non, pardon. Je laisse un 31, pardon. Je laisse un 31. Bien aimé, Dieu ne commet pas l'erreur.
Je reste un gardien. Je reste un champion. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Voilà que c'est Dieu lui-même qui a vu tout ce qu'il a créé. Et voici, cela était très bon. Cela n'était pas seulement bon, c'était comment? Très bon. Non, cela était complet. Non. Très bon. Non, cela n'était pas bon. Non. Non, ce n'était pas bon. Non. Bon, c'était juste bon. Non. C'était comment? Très bon. Comment? Très bon. Comment? Très bon. Alors toi, Dieu t'a créé sans te percer les oreilles. Et il a vu que c'était très bon. Lorsque tu le perds les oreilles, Dieu le met en train de corriger Dieu. Et lorsque tu le fais, c'est Romain de Verdel, toi avec Dieu qui te combat. Alléluia. Dieu t'a créé. Il n'a pas mis de trou sur tes paupières. Il n'a pas mis de trou sur ton nombril. Mais Dieu a l'aide et tu t'as permis de faire des trous. Vas-y, voilà le verset qui va te comparer. Romains 9, verset 20 à 21. Amen. Oh âme, oh âme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Oh toi, petit prince, ta vie pouvait dire, je ne suis qu'un misérable permission. Si le Seigneur ciel nous met dans le cœur, alors toi, Dieu, tu es un petit prince qui n'existe même pas. Mais comment es-tu contester Dieu? Qui es-tu contre le nom de Dieu? Non, qui es-tu pour contester avec Dieu? Oh, réponds. Le Père s'agit. Dira-t-il à celui qui l'a volé? Plusieurs. Pourquoi m'as-tu fait ainsi? Plusieurs d'entre vous, on vous entend vous chanter cette chanson. Comme l'argile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Mais chaque jour, si vous connaissez vous-même les formes qui vous plaisent, et vous n'écoutez jamais le grand potier. Oh, tu le vas agir, petit sur le potier, pourquoi m'as-tu donné cette forme? Nous sommes aujourd'hui, lorsqu'on s'y couvre ton corps, toutes les excuses pour nous, c'est Dieu lui le gardé les couleurs. Le même Dieu qui a créé les couleurs, c'est le même Dieu qui t'a gardé de les porter. Dieu n'est-il pas ton chef? Dieu ne négocie pas avec toi. Tu dis pourquoi tu as créé, si nous l'interdit, pourquoi il a créé, mais pour vous qui avez des enfants à la maison, lorsque tu laisses la nature dans la barre, et que tu sens, tu dis, je ne veux pas personne aller se servir dans ma barre. Alléluia, amen. Si tu ne veux pas qu'on se serve, pourquoi tu as laissé la nature dans la barre? Tu aurais pu porter ta barre et la mettre dans un pauvre port, comme ça personne n'allait y toucher. Combien de fois tu n'as pas laissé la télé et tu as dit que personne n'a vu la télé? Combien de fois? Et c'est Dieu, selon toi, qui n'aura pas le droit de te dire, bien que les bijoux existent, je t'interdis de la porter. Bien-aimé, réponds-toi. Ça va servir le bruit dans les églises. Plusieurs fois dans les églises, avec des mèches, des ministres, chutes, des ministres. Des colons, des pantalons, et puis le soir du Saint-Pasteur a dit, le soir du Saint-Esprit, le matin de chez Dieu, quel Saint-Esprit, quelle la fausseté. Attention. Il est écrit que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité. Est-ce que la fausse chemin, c'est la vérité? Non. Tu ne prends pas au mensonge. Non. Est-ce que le fossile, c'est la vérité? Non. Dieu te donne des signes normales. Toi, tu vas mettre des épargnes. À part les fossiles. Bien-aimé. Dieu ne peut pas te donner des soucis. Et toi, tu es rare pour mettre un dessin. Si toi-même tu étais Dieu et ton enfant fait ça, est-ce que tu seras fier? Non. Quand tu vas arriver devant Dieu. Oh prophète, on a dit que tu ne peux pas rentrer. Tu vas demander pourquoi on va dire. Quand on te regarde, on regarde la photo que Dieu nous a donnée ici. Vous ne vous ressemblez pas. Nous on voit une femme ici que tu as créée avec les cheveux, le bel, crépus, tout fil. Mais quand on te voit, on est quand tu as les cheveux, le tâche que tu as tête. On ne te reconnaît pas. Aujourd'hui, tu es marocain, demain tu es brésilien, après demain tu es indien, aujourd'hui tu es asien,
soutien espagnol, un soutien en les semaines prières que tu veux devenir. Donne-les, répands-toi, répands-toi, Dieu t'a créé, Ivoirien, Dieu t'a créé, Camerounaise, Dieu t'a créé, Éthiopien, et puis tu changes pour vouloir ressembler aux autres. Dieu ne te reconnaîtra plus. Et on raccroche le de Dieu comme ça pour Dieu. Le potier n'est-il pas maître? Dieu n'est-il pas maître de l'argile de ton corps pour faire avec la même masse un vase d'honneur pour te donner des cheveux crépus, pour te donner des cheveux bouclés, pour te donner des cheveux lisses? Dieu n'est-il pas le maître pour te donner un teint foncé, un teint clair, un teint blanc? Dieu n'est-il pas maître pour faire de toi un albinos? Dieu n'est-il pas ton maître pour te donner un mètre de taille, un mètre de demi et plus? Aujourd'hui, tu prends tes parents parce que tu estimes que tu es beaucoup trop court. Il faut que tu fasses de l'éther et que tu manques sur la taille. Apocalypse 21, verset 8. La dernière phrase. L'Apocalypse phrase est la dernière. Apocalypse chapitre 21, verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs, et tous les quoi, tous les menteurs, tous les quoi, tous les menteurs, tous les quoi, tous les menteurs, le passera où? Le passera dans les temps à temps de feu. Souffle, délevé. Quelqu'un qui met les faux cheveux, c'est une personne qui dit la vérité qui ment. Menteur. Alléluia. En ce qui compte, aime et pratique le mensonge. Aimer le mensonge, c'est raconter le mensonge avec ta bouche. Pratiquer là, c'est mettre le mensonge en pratique. Tu as des vrais cheveux et tu mets des faux cheveux. Faux égale à mensonge. Et tous les menteurs n'hériteront jamais du royaume des cieux. Les fossiles, nous tous nous savons. Pour ceux qui sont allés à l'école, lorsqu'on te pose une question, quand tu l'as, on est faux. Quand tu as trouvé, on est vrai. Quand on vient aussi sur ton corps, on dit faux cheveux, vrais cheveux, faux cils, vrais cils, faux soucis, vrais soucis, fausse taille, faux sang, fausse fesse, vraie fesse. Yeah. Alléluia, amen. Jérémie 13, 23. Bien-aimé, même si tu jeûnes comme le désert lui-même, même si tu pries pour que Jésus lui-même, même si tu rappes même en langue, si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu ne pourras jamais rentrer au ciel. Jérémie 13, 23. Amen. Un Éthiopien, l'Éthiopien c'est qui ici? Un noir. Quand on parle d'Éthiopien, on parle de qui? Un noir. Continue. Un Éthiopien, un noir. Peux-tu changer quoi? Un noir, peux-tu changer sa forme? Non. Je n'ai pas pu mettre ça dans la Bible. Il y a des moi, ça veut dire que le sang existe depuis. Mais, on le prend encore. Je suis très intéressé par moi. Oui. Elle est très bien. Un noir. Oui. Peux-tu changer sa forme? Attends, je n'ai pas mis ça dans la Bible. C'est écrit. Jésus-Christ, moi, c'est que c'est maintenant que le sang est né. Non. Hey! Ah non, regarde une dernière fois. Bien aimé, jugez en vous-même. On va relire. Oui. Jérémie chapitre 13. Oui. Verset 23. Oui. Elle est bien. Oui, je sais d'un tout. Elle est noire. Je suis d'accord jusqu'ici. Elle est noire. Oui. Veux-tu changer sa peau? Pourquoi tu fais le tchatchon? Pourquoi tu fais le tchatchon? Elle est noire. Quand tu parles. Et elle n'est pas ses taches. Elle n'est pas ses quoi?
ces taches. Qu'est-ce qu'ils font les taches de léopard? C'est sa fourrure. Ok, quelle est la fourrure des hommes? La chevelure. Bah, oui. Mais si le léopard ne peut pas changer ses taches, pourquoi tu fais teindre tes cheveux? Pourquoi tu fais teindre tes cheveux? Pourquoi tu fais teindre tes cheveux? Pourquoi tu le fais teindre en blanc? Pourquoi tu mets l'humour dans tes cheveux? Oh, oh non, maman, aujourd'hui. Pourquoi tu mets la peinture dans tes cheveux? Oh, maman, aujourd'hui. Elle voit que, malgré qu'elles sont encore déjà, elles ont déjà les cheveux blancs comme la bénédiction. Il ne faut pas avoir voir que je suis vieille. Mais le mec, t'es tout noir. Ah, je les parais qui sont. Les mamans, maintenant, elles vont marcher. Elle la tèche, elle achète les tétus rouges, noirs, gris. Et bien même si la tête pour dire que non, elle ne veut pas vieillir. Attention, jeune. Bien aimé, quand tu mets les tétus sur la tête, le Seigneur te dit que c'est un péché. Oh. Quand tu changes la couleur de tes cheveux, le Seigneur dit que c'est un péché. Oh. Quand tu mets les tétus, regarde le vieux. Il met Yomo sur ta tête, mais il se plaint que sa fille teint ses cheveux en rouge. Oh. Alors toi et ta fille, vous êtes la même chose. Oh. Toi, tu mets Yomo sur ta tête. Oh. Et toi, ta fille, tu fais tes tout rouge ou noir, vert. Ils sont identiques. Oh. Alors le Seigneur te dit, réponds-toi. 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 Tu mets Yomo sur ta tête. Et ta fille, tu mets aussi tes tout sur la tête. C'est la même chose. Claire. Et tes bons dieux, c'est un péché. Oh. C'est un péché. C'est un péché de teindre ses cheveux. C'est un péché de changer la couleur de ses cheveux. Et c'est pourquoi le Seigneur nous a envoyé ici pour te parler. Regarde encore bien aimé. Dieu, il a habillé la femme décemment. Dieu a habillé la femme décemment. Mais le diable dit ne vous habillez plus décemment. Le diable est devenu stylus. Alors il a pris ta décision, il a coupé le gâteau. Il a dû mieux le tissu. Il a dit, le tissu. La vie était bien long. La vie était bien long. La vie était bien long. Alors le diable a pris les ciseaux. Il a fait tcha 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 tcha. Alors maintenant les puces sont sorties. Alors la patine est sortie. Et il dit maintenant tu es belle. Non, arrêtez, tu n'es pas belle, tu es nue. Tu es nue. Voilà le verre de Dieu. Quand on est pas soin, oui, on est ça. Parce que assieds-toi. Alléluia. Regarde, elle est à l'aise. Regarde, elle est à l'aise. Elle n'a pas de problème. Lève-toi. Regarde, elle est à l'aise. Quand on sait qu'elle est nue, si elle fait comme ça, c'est gardé. Oh. Et puis tu vas le temps de trouver la tête au sang. Tu te mets toi-même pas à l'aise. Et c'est comme ça. Même les femmes qui portent les talons, elles commencent à avoir des problèmes. Des joueurs de football. Au Cameroun, on appelle ça les bouteilles. Ah, ça, le les bouteilles. Repentance. Les portes et puis les talons. Repentance. Dieu a choisi. Les filles, lorsqu'elles sont le matin, oui, elles s'en vont à la piscine. Elles arrivent à une nouvelle, c'est la tête de l'eau, oui. Et toi, dévasté, que vas-tu faire? Que vas-tu faire?
Dès qu'il faut être sang qui n'a plus beau égard, il faut les démons mieux. Et les pauvres sont, elles se sont dévastées. Et qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu te remets là, tu te remets là de quoi? La moitié, c'est un grand moitié de quoi? Tu te parleras ton encore. Vas-y, tu mettras du phare. Tu mettras du phare. Tu mettras du rouge à lèvres. Et tu vas l'exister par contre. Tu mettras le soin de Dieu. Non, le phare n'existe pas par contre. Non, est-ce que tu as bien lu? Bien lu. Non, non, tu mettras du bolivre. Non, c'est quoi? Tu mettras du phare. Non, tu mettras le bel escalier. Non, c'est quoi? Tu mettras du phare à tes yeux. Tu mettras du coco. Non, c'est quoi? Tu mettras du phare à tes yeux. Tu mettras le phare. Non. Tu mettras du phare. C'est quoi le phare? C'est quoi le phare? Bonne question. Tu mettras du phare. C'est quoi le phare? Oh. Le phare, ce n'est pas le phare des voitures. Oh. Mais le phare ici, c'est le rouge à lèvres. Le rouge à lèvres que tu mets à tes yeux. Et à tes lèvres. La peinture que tu mets au visage. Le phare, c'est le mascara que tu mets au visage. Le voile que tu mets aux yeux. Le pêche, le phare. Le pantalon là, même si on a fait une place ici,
Le colon, son vrai nom, c'est cycliste. C'est un vêtement pour les sportifs. Alléluia. Et ce vêtement-là, c'est pour ceux qui font du vélo. Alléluia. Merci. C'est un homme bien-aimé. Et le bien-aimé, parce que si l'homme porte le petit pantalon, quand il va rouler le vélo, le pantalon lui est rentré dans les chaînes et le pantalon va se déchirer. Amen. Alors, les blancs ont fabriqué les cyclistes. Et puis maintenant, l'homme porte ça pour faire le vélo. Amen. À cause de la bagarre, à la psychologie, à cause des palabres, les hommes ont commencé à porter du l'autre. Jusqu'à ça, rentrer dans le cyclisme. À cause de aujourd'hui, une femme porte collant. Regardez toutes les femmes qui portent collant et cyclisme. Elles sont remplies de colère. Vérité. Homme de Dieu, c'est clair. Il y a des femmes qui ont dit que non, elles doivent porter la même chose que les hommes. Parce qu'il y a égalité. Oui. Et puis, un homme a posé une question à une femme sur le plateau. Il dit à la femme, oui. Puisque la femme a les mêmes droits que l'homme, il est capté le sexe pour les points. Est-ce que c'était la pandémie? Et puis le monsieur lui dit, dans ce cas, on ne peut plus parler de violence faite sur les femmes. Puisque nous sommes égaux, oui, on a un placard, on a la même force. Si je te casse, on ne va pas dire, je t'ai violenté. On ne va pas dire, violence faite contre une femme. Non, on va dire, chaque entre deux adversaires. Alléluia, alléluia. Alors, bien-aimé, ce matin, le Seigneur t'appelle à te repentir. Repends-toi. Les pantalons ne sont pas faits pour toi. Pas du tout. Les pantalons sont faits pour les hommes. Tu ne le savais pas. Tu dois t'habiller comme une femme. Exactement. Tu dois t'habiller comme une femme. Comme une femme. Et un homme doit s'habiller comme un homme. Amen. Lorsque tu changes, tu appelles ça se travestir. Oh. Tu as changé la nature. Et ça leur sera devenu une abomination. Oh. Lorsque tu mets des mèches, à l'origine, les mèches, bien aimé, les mèches viennent du monde de la mer. Oh. Les mèches, c'est la nature des sirènes. Lorsque tu mets les mèches sur la tête, bien aimé, tu dis à Dieu que tu ne veux plus ressembler à un homme, mais tu veux ressembler à des sirènes. Et les sirènes sont des démons. Les sirènes, c'est pas parce que le nom est sirène que c'est joli en fait. Tu vas penser que ça veut dire que c'est joli. Les sirènes veulent dire des hommes et des démons. Les démons sont des anges déchus qui sont traînés, précipités dans la mer, dans la forêt, dans la montagne. Et ces hommes, ces démons-là, se sont jurés d'empêcher l'homme d'être au ciel. Alors ils utilisent tous les forces et moyens pour tromper l'homme. Alors si toi, femme, tu mets les mèches sur la tête, laisse-moi te dire, si tu meurs avec les mèches, tu ne pourras pas rentrer au ciel. C'est pourquoi tu es connu. C'est pourquoi le Seigneur t'appelle à la repentance. Derrière les mèches, il y a la sédition. Oh, oui. Derrière les mèches, il y a l'esprit de l'impunité. Oh, oui. Derrière les mèches, il y a la fornication, oh, oui. L'adultère, la masturbation, oh, oui. Il y a la colère, il y a le mensonge, il y a la sédition. Et le Seigneur te dit, repends-toi. Repends-toi. Ce ne sont pas tes cheveux. Et regarde encore, c'est que les mèches font sur toi. Les mèches rongent tes cheveux. Oh. Les mèches rongent tes cheveux. Oh. Tu commences à devenir une femme chauve. Au Cameroun, et toi aussi, et toi aussi. Au Cameroun, on appelle ça mon vieux. Ici, on appelle sa femme Coco Caillé. Bien-aimé, le Seigneur te dit, repends-toi. Et toi aussi, mon frère, tu as des longs cheveux. Ce n'est pas normal pour un homme d'avoir des dieux sur la tête. Ce n'est pas normal pour un homme d'avoir des lèvres. Un homme ne peut pas avoir des longs cheveux. Un homme doit avoir des cheveux normaux, des cheveux courts, mais ne peut pas avoir des longs cheveux. Des longs cheveux sont les qualités de la femme. 1 Corinthiens chapitre 11. Un homme ne doit pas avoir des longs cheveux. Un homme, il doit avoir des cheveux courts. Bien-aimé, à part des cheveux, on sait déjà qui tu es. Regarde, les rastamans, les rastamans, en réalité, l'esprit qui les anime, c'est l'esprit de l'homosexualité. La majorité des rastamans, vous les voyez jouer dangereux, mais en fait, ils sont des homosexuels. L'esprit derrière le rastaman, derrière le rastaman, c'est l'esprit de l'hermaphrodite, c'est l'esprit de l'homosexualité. C'est-à-dire qu'il n'est ni homme, il n'est ni femme. Bien aimé, et l'esprit, lorsque ça le prend, il peut coucher avec homme comme avec femme. Un de ces esprits rapides. Oui, bien aimé. Quand j'étais encore en pleurs, oui, et que j'avais des longs cheveux, oui, la première fois que je me suis dressé comme. Et que j'ai ajouté les noms sur ma tête. Bien aimé, la même nuit, la première fois que je me suis dressé comme une femme et que j'ai ajouté,
le maître des colis. La même nuit lorsque je me suis couché, j'ai fait un songe où il y avait une garçon à côté de moi qui était couché, juste à côté de moi. Et qui commençait à s'adresser à moi comme un homme s'adresse à une femme. Bien aimé, malgré les coups de poing que je lui ai pompé dans l'oreille, il ne faisait que me suivre partout où je partais. Alléluia. C'est ce qui a fait que je constate que quand je n'avais pas fait de paix sur ma tête, je n'avais pas ce genre de songe. Alléluia. Même si aujourd'hui tu portes des longs cheveux, 1 Corinthiens 11, verset 14. 1 Corinthiens 11, 14. 1 Corinthiens 11, verset 14. Je vais que tu es mort. Verset 14. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Que c'est une honte. Que c'est une honte. Pour l'homme de porter de longs cheveux. Oh, c'est une honte pour l'homme d'avoir les cheveux courts. Non. Comment ça va? Alléluia. C'est une honte. Le Seigneur dit que c'est une honte. Pour l'homme, de porter de longs cheveux. Un homme ne doit pas porter de longs cheveux. C'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux. Un homme, lui, ne doit pas porter de longs cheveux. C'est une honte. Même la femme, elle, oui, elle doit porter de longs cheveux. Mais l'homme ne doit pas porter de longs cheveux. Un homme ne doit pas faire cela. Homme de Dieu. Oui, on va se demander l'aspect de la honte. Oui, lorsqu'un homme porte des longs cheveux, si nous ne sommes pas maintenant dans un bureau, oui, là où il y a les téléphones alliés, le plan ferme, et le gars est à nous, et puis il y a quelqu'un qui a les lances. Alléluia. Lorsqu'un téléphone disparaît, même si c'est moi qui l'ai volé, la première personne qu'on va voler, c'est qui? C'est l'homme qui a les lances. Pourquoi? Parce que sa nature même demande qu'il fait une honte. Oh! Directement quand tu as les rocks, on te considère déjà comme un voyou, comme un bandit, oui, comme un voleur. Oui. Et même si ce n'est pas toi qui as volé, comme un Dieu Cameroun, ta carte est grillée depuis. Claire. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Mais ce n'est pas seulement les lances. Même les cheveux pétants. Oh, les pêches. Oui. Tous ces choses, Dieu dit qu'il ne veut pas. Lévitique chapitre 10. 19, verset 27. Verset 27. Bien-aimé. Ce matin, t'appelle à la repentance. Bien-aimé, ce matin, le Seigneur Jésus te dit, repends-toi. Les temps sont finis. Repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Repentez-vous. Lévitique 19, verset 27. Verset 28. Verset 28. Oui, verset. C'est 27. Lévitique 19, verset 27. Oui. Vous ne couperez point. Alors le Seigneur dit, que vous ne devez pas couper en rond. Les coins de vos chevelus. Le Seigneur dit que vous ne coupez point en rond les coins de vos chevelus. Oui. Et tu ne raseras point. Alors le Seigneur dit, tu ne dois pas raser les coins de ta barbe. Tu ne dois pas faire des fantaisies sur ta tête. Tu ne dois pas faire des coupes. Tu ne dois pas faire des tectoniques. Ici en Côte d'Ivoire, dans les années 90, lorsque les chefs faisaient des punks, on disait que non, c'est la tête des carrières. Va m'arracher cela. Parce qu'on ne voulait pas voir ces gens de coiffure. Dans les années 92, bien aimé, on ne permettait pas cela. Un père ne pouvait pas permettre à son fils de se coiffer ainsi. Mais aujourd'hui, bien aimé, les gens commencent à se coiffer ainsi. Mais le Seigneur dit qu'il ne veut pas. Il ne veut pas de ces choses. Un homme doit se coiffer normalement. Alléluia. Il doit se coiffer normalement. Il ne doit pas faire des fantaisies sur la tête. Alléluia. Amen. Voilà Jésus. Amen. Le Seigneur Jésus le matin t'appelle à la repentance. Toi qui aimes frapper à Oko. Toi qui aimes frapper à Oko. Le savon n'est pas ta femme. Le savon n'est pas ta femme. Le jet de douche non plus n'est pas ta femme. Pourquoi je le dis? Parce que j'étais ancien président de ma souveraineté du monde. L'ancien président et le second président, c'était moi. J'étais le spécialiste des Aoko. J'avais même des cartes et la manière de faire pour frapper Aoko. Amen. Mais si le Seigneur m'a libéré, il peut se délibérer. J'imaginais ma neuf voici nous. Parce que le temps de Aoko te pousse à te faire des idées, à te pousse à t'imaginer, à faire des images dans ta tête. Et pourquoi frapper Aoko? C'est pourquoi, femme, tu dois bien t'habiller pour ne pas être une occasion de chute pour ton prochain. Vas-y, monsieur.
Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, verset 28. Je te le dis en vérité. Matthieu 5, verset 28. Mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme. Matthieu 5, verset 28. Oui. Mais moi je vous dis. Mais moi je vous dis. Que quiconque regarde une femme. Que celui qui regarde une femme. Pour la convoiter. Pour penser. Pour la déjà penser. Pour dire qu'elle est conforme. Elle est comme ça. Non, c'est mon groupe sanguin. Non, c'est mon morceau. Non, c'est pour moi. Non, c'est mon chant. Dire que Dieu dit que tu as déjà couché avec elle. Moi je vous dis. Mais moi je vous dis. Quelqu'un regarde une femme. Mais celui qui regarde une femme. Pour la convoiter. Pour la convoiter. A déjà commis un adultère. Elle a déjà commis un adultère. Avec elle dans son cœur. Avec elle dans son cœur. Alors bien-aimé, à ma honte, bien-aimé, réponds-toi. Parce que toi, Sam, lorsque tu prends des bikinis, tu prends des pantalons, et qu'on voit tes formes, et qu'on voit toutes ces choses, les hommes qui te regardent, ils vont coucher avec toi en frappant au cou. Ton image vient sur eux. Ton image vient à l'esprit et commence à s'imaginer en train de coucher avec toi. Amen. Ne dis pas que non, moi je n'ai jamais couché avec l'homme. Mais le fait que l'homme te regarde, il a déjà couché avec toi. Je vais encore ajouter, oui, les sorciers qui sont parmi nous vont se reconnaître. Amen. Lorsque toi, femme, tu finis de bien t'emballer et que tu marches le regard effronté, quand un sorcier te voit, il sait que si tu es grand, tu vas le refuser. Comme toi, tu n'es pas sorcière. Tu n'as pas Jésus-Christ véritablement dans l'obéissance pour qu'il te protège. Il va venir chez toi la nuit, même s'il n'a pas connu ta maison. Spirituellement, il va venir chez toi. Il va le révéler. Il va te gérer bien. Il va sortir avec toi complètement et bien. Et c'est ce qu'on appelle le mari de nuit. Mari de nuit. Et qu'est-ce qui arrive? Tu ne peux plus bouger. Tu n'as plus de force. Tu n'as plus de force. Et l'esprit vient. Et il commence à coucher avec toi. Il n'y a pas tout. Le Seigneur va prier pour toi. Si tu as honte, on va te donner le numéro de téléphone. Et tu vas nous retrouver. Tu vas nous appeler. On va arriver chez toi. Et on va prier pour toi pour chasser son esprit. Mais c'est gratuitement. Mais c'est gratuit. Tu n'as rien à payer. Nous-mêmes, on paye notre transport. Alléluia. Si tu as un mari de lui, ou une femme de lui, bien-aimé, ce qui se passe, c'est très dangereux. Parce que lorsque tu as des couches de nuit, spirituellement tu as des enfants. Et ces enfants-là, tu dois payer leur pension alimentaire. Bien-aimé, toi tu ne connais pas le monde spirituel. Non, tu ne vas pas prendre l'argent pour aller payer une pension dans le monde spirituel. Mais toute la grâce, avant que ça arrive chez toi, ils ont déjà coupé et donné à ta multitude d'enfants spirituellement. C'est pourquoi toi, femme, si tu rêves que tu allais payer, c'est dangereux. Alléluia. Si tu n'es pas enceinte et puis tu rêves que tu es enceinte, c'est dangereux. Alléluia. Si tu as des soucis, ne touche plus nous. Je t'en supplie. N'aie pas honte de les regarder. Approche-toi et approche-toi. Viens maintenant. Dis-le-nous. Le Seigneur Jésus veut te libérer. Il veut te libérer. Approche-toi, s'il te plaît. Nous autres nous sommes passés par là. Et le Seigneur Jésus a eu pitié de nous. C'est clair. C'est pourquoi, ayant bien vécu ces choses, et ayant bien été enseigné par le Seigneur Jésus, nous pouvons les parler avec certitude. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus veut te libérer. S'il te plaît. Après avoir entendu toutes ces paroles. Amen. Nous-mêmes que tu vois, nous sommes les produits du travail que Jésus a déjà opéré. Nous étions masturbateurs. Oh oui. Des prostituées humaines. Oui. Mais si Jésus nous a consommés, bien aimé, il peut le faire aussi pour toi. Il veut même le faire. Voilà pourquoi nous t'appelons maintenant. Il n'y a pas honte. Quand tu es dans ta chambre, tu souffres, il y a personne pour te donner ce goût. Personne. Cela tu pleures. Tu dis la masturbation. Il n'y a personne pour t'aider à sortir. Tu décides même d'arrêter. Tu vas rentrer deux semaines. Boum, tu es retombé. Tu n'arrives pas à arrêter. Et dans ta zone, tu
tu vas donner à chaque fois quelqu'un va coucher avec toi. Tu fais le tout dans ce port, mais tes efforts sont faits. Mais ce n'est surtout t'appelle à la repentance. Repends-toi. Et viens maintenant. Écoute la parole de Dieu. Avant que l'homme de Dieu le poursuive avec moi. Acte chapitre 2. Après avoir entendu ce discours, ils s'ouvrent le temps qu'ils devaient toucher. Et ils disent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Toi qui te poses la question de savoir, qu'est-ce que tu peux maintenant faire afin que le Seigneur Jésus te délivre et que tu fasses la paix avec lui? Voici la réponse que Pierre et les autres apôtres ont donné. Pierre leur dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Bien-aimé, le processus de repentance, c'est que tu vas t'approcher de lui. Tu vas prendre le même mode de contact. Et lorsqu'on va te dire de prier avec lui, tu vas prier. Tu vas confesser ton péché et tu vas demander pardon à Dieu. Et dans le processus de repentance, il y a ce qu'on appelle la délivrance. La délivrance, c'est un homme de Dieu ou un bien-aimé qui va prier pour que le Seigneur te délivre. Ensuite, on va te conduire vers les choses du baptême, selon qu'il est dit ici. Et lorsque tu seras sorti, tu auras reçu le pardon de tes péchés. Et on va prier pour que tu reçoives le don du Saint-Esprit. Par le faux Saint-Esprit, où les femmes ont des mèches, les femmes ont des vies, des chèques, des rebelles, des corps. Le véritable Saint-Esprit. Celui qui t'enseigne à fuir le péché. Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui, si tu as entendu la parole de Dieu, c'est parce que le Seigneur l'a voulu ainsi. Toi, tu es en train de passer. Tu cours ça et là, pour mener tes activités à terre. Ce n'est pas le moment de travailler. Ce n'est pas le moment de mener tes activités. Amen. Mais la part de ta vie, c'est le son de la trompette. Le Seigneur Jésus l'a donc voulu entendre sa parole. Afin que toi, tu puisses te repentir et que tu sois sauvé. Amen. Pendant que nous sommes en train de parler, il y a des personnes qui vont vous chasser les livres plutôt. Il y a des personnes qui vont prêcher les machines. Il ne leur dit que. Pas de machine, mais toi que là tu marches, c'est très important. Jésus te donne l'occasion d'entendre ses paroles. Il y a des personnes, laisse-moi te choquer un peu ce matin. Il y a quelques jours, la femme du roi a remporté la canne. Les gens se sont mis à célébrer, ils se sont mis à danser. Et dans les foyers, il y a tout le monde qui se cache. Mais toi, tu es vivant aujourd'hui et tu entends sa parole. Penses-tu que c'est un hasard? Non. Là où tu pars, tu ne sais pas si c'est ton dernier souffle que tu vas rendre. Mais... tu ne sais pas si. Dès que tu dis cette voix, où tu rentres, c'est là où tu vas te coucher de ta maison et ton esprit te quitte. Les paroles de tes enfants, les paroles de ta famille, les paroles de tout ce que tu vois autour de toi. Toi qui es malade, embrasse-toi maintenant. Car tu n'as rien à payer, c'est gratuit. Mais le Seigneur Jésus veut te libérer. Il suffit simplement que tu crois. Il suffit simplement que tu avances. Le Seigneur Jésus, qui a fait la même chose. Depuis des millénaires, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Viens, ma bien-aimée. Viens, ma bien-aimée. Le Seigneur Jésus. Le Seigneur t'appelle. Viens te libérer ce matin. Viens te libérer ce matin. N'anticipe pas ton cœur lorsque tu entends sa voix. Bien-aimé, le Seigneur t'appelle ce matin. Regarde comment tu souffres. Le Seigneur vit ta souffrance. Regarde tout ce que tu traverses. L'esprit de la sorcellerie. Le Seigneur t'appelle. Il y a l'esprit de famille. La masturbation. La colère. L'adultère. La débauche. Tout ça s'envahit ta vie. Et tu ne sais même plus mettre la tête. Mais Jésus te dit, simplement mon enfant, approche-toi. C'est pour toi que Jésus nous envoie ici.
Alors, ne prends pas cela pour un jeu. Dieu ne fait rien au hasard. Jamais. S'il te plaît, approche-toi. Approche-toi. Toi, ton père, Jésus, a changé de vie. Toi, tu as connu Jésus. Tu as entendu parler de lui. Non, Jésus. Tu as entendu parler de lui. Non, Jésus. Tu as entendu sa parole. Et tu as été approché. Comme Jean-Louis verset 37. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous approchera. Sonnez. Tu vas à chaque fois, on vient coucher avec toi.
à chaque fois, quelqu'un vient, parfois même, à deux, trois fois, même parfois dans la journée, il couche avec toi. Toi, femme, tu es là, à chaque fois, tu es utilisé, tu es vilipendé par un esprit, tu as pris sur toi. Le Seigneur Jésus veut te libérer. Oui, le Seigneur veut te libérer. C'est surtout seulement que tu te rapproches. Approche-toi, mon bien-aimé, de la parole. N'anticipe pas ton cœur. Ne pas honte, mon bien-aimé. Approche-toi. Jésus va te libérer. Pas à les tendances suicidaires. Pas à chaque fois qu'il remarque, sans doute te suicider. Sans doute te pendre. La carte est l'occasion de te rapprocher. Bien-aimé, viens à Jésus. Car Jésus ne veut pas perdre ton âme. Ton âme est chère aux yeux de Jésus. Il t'appelle donc. Viens, on va prier pour toi. Car Jésus veut te libérer ce matin. Jésus veut te libérer. Toi qui as une maladie quelconque, et tu le sais, comment faire pour tout temps de faire? Tu es allé à l'hôpital, tu as fait des ordonnances, tu as fait tout ce que la personne est pour tout. Mais jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas trouvé la guérison. Viens le Seigneur. Mais le Seigneur Jésus porte sa parole à quelqu'un. Allez, et fais de toutes les nations des disciples. Seigneur Jésus a déclaré, je vous ai donné le pouvoir. Selon Luc, verset 10, verset 19, je vous ai donné le pouvoir, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. C'est même Jésus, il guérissait la malade, c'est même Jésus, il guérissait les lépreux, c'est même Jésus, il ressuscitait la mort, il est encore capable, si seulement vous te rapprochez, il est encore capable, vous te libérez. Je vous rapproche toi. Viens, il vous venez à moi, pour qu'elle fatigue et chargé, et je vous donnerai du repos. Si tu es fatigué, de ta situation, je t'appuie à ma foi. Si tu es fatigué, du monde, je t'appuie à ma foi. Jésus veut te libérer, mon bien-aimé. Jésus veut te libérer. Jésus veut te libérer, mon bien-aimé. Toi qui as chassé, l'homme promis. Le mari que le Seigneur t'a envoyé à cause de la colère te fatigue. Soit tu es chrétien et dans ton quartier, on te connaît par la colère. Tu peux parler partout. Partout où tu passes, on connaît ton appréhendement. Quand tu vas, ta vie la surprise. On dit cela. Elle a une mauvaise réputation. Lui là, il a une mauvaise réputation. Et à cause de ton comportement, tu n'obtiens aucun travail. À cause de la colère, ta vie est cachée. À cause de la colère, tu ne peux avancer. L'éternel va te libérer aujourd'hui. Viens Jésus, approche-toi. Aujourd'hui c'est la fin de ta souffrance. Le Seigneur va te libérer de la colère. C'est la fin de ta souffrance aujourd'hui. Toi qui es persécuté, toi qui es rejeté, toi tu viens encore dans le monde. Et toi qui es bien-aimé de Jésus, bien-aimé, l'éternel, son amour n'a pas tari pour toi. Le Seigneur Jésus t'aime encore. Le Seigneur t'aime toujours. Même si tu es encore répété, Jésus t'aime encore. Jésus t'a pas répété. Il t'appelle à la repentance. Dieu Jésus, viens maintenant. Encore une fois, quand Jésus veut te libérer, il va te libérer. Il va briser ses chaînes. Il t'en garde pour moi. Donne-lui de l'amour, parce que tout ce qu'elle a fait, elle n'a pas reçu un retour. Les gens ont été ingrats. Tu te mettais à fumer de la cigarette. Jusqu'à aujourd'hui, comment t'as arrêté? Ça a créé la mort. Regarde, l'esprit derrière la cigarette. Est-ce que tu as un peu d'échappement pour fumer? Est-ce que tu as un charbon de bois pour que la fumée sorte de tes narines? Quand tu mettais la santé, faut lui chanter toi, ça. Toi, tu as commencé à fumer une fois. Même si ton père arrive à t'abandonner. Mais aujourd'hui, tu ne sais pas comment t'arrêter. C'est parce que l'esprit te possède et la semence est encore toi. Si tu ne viens pas à Jésus, si tu restes dans ton état, et tu le meurs, tu meurs dans cette situation, et puis t'attends, c'est l'enfer. Mais Jésus t'aime. L'amour de Jésus est encore manifeste. L'amour de Jésus est encore là. Jésus te dit, viens mon enfant, viens ma fille, viens mon fils. Jésus va te libérer. Il suffit seulement que tu t'approches. Il suffit seulement que tu t'approches. Quand tu regardes, tu ris, mais quand tu rentres à la maison, quand tu es seul, dans ton cœur. L'esprit arrive à t'abandonner. Mais si ta mère arrive à t'abandonner. Que lui donne à chanter. Que tes soucis, non, que tes soucis.
pas, je te délivre, tu me glorifieras. Je te délivre, tu me glorifieras. Ah. Jésus m'aime, 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 Jésus m'aime,
Les mains vont danser pour la gloire de Jésus. Plusieurs se sont touchés la nuit. Plusieurs ne pendant ton palais. Plusieurs insultés et sont partis. Alléluia. Plusieurs sont morts. Ils n'ont pas entendu. Moi, tu le sais, la parole de Dieu habitable. Mais ils sont allés dans les églises où on parlait de mariage, de voyage, de passeport qui sort dans la chaussure, de finances et de toutes les choses qui n'amènent pas au ciel. Mais ce matin, Dieu a permis, non seulement que toi tu es évangélisé, pour apporter la bénédiction à la parole de Dieu, mais que toi aussi qui es écouté, tu as permis que Dieu écoute. Alléluia. Cette habitude de rendre une meilleure. Alléluia. C'est la victime de la vie, alléluia, 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 alléluia. Que tu le mettes encore le temps de son temps.
tu as un problème, tu as un problème, tu as un problème, tu as un problème, tu peux voir, on te pousse un rêve, tu peux voir, tu manges un rêve, tu peux voir, avoir les rapports sexuels en rêve, tu peux voir, oui, bien aimé, avoir les rapports où tu as des activités, bien les bouches, appelle-nous, on va prier pour toi, bien aimé. Il y a une malédiction que ton compte a lancée, et tu tournes en rond, et bien avance, bien aimé, nous allons prier pour toi. C'est gratuit et tu n'as rien à payer. Bien. Alléluia. Amen. Père de Dieu, que le Seigneur Jésus te bénisse. Amen. Toi qui nous as écoutés, que le Seigneur te bénisse. Amen. Toi aussi qui nous as insultés, que le Seigneur te bénisse. Amen. Toi qui nous as écoutés, que le Seigneur te bénisse. Amen. Alors si tu as aussi un téléphone et que tu désires prendre le numéro de téléphone, tu vas prendre le 07. 07. 88 16 10 17 17 07 08 16 16 10 10. Le bien-aimé Barnabas aussi m'a donné son numéro de téléphone. Prends ton téléphone, un instant, j'entends. Toi qui n'avais pas encore sorti ton téléphone, prends et puis relève le numéro. Parce que Dieu. Le bon voyage au 07. 07 09 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 Pour toute personne, nous allons jouer d'accord. Nous avons tous les vendredis, à partir de 19h, une cellule de prière. Vous connaissez ceci, vous pouvez la lancer, vous arrivez quelque part là. Il y a un collège de la ceci, il y a un comité dedans. Tous les vendredis, à partir de 19h, nous avons un moment de prière là. Et le Seigneur va venir te visiter. Soit il va te libérer de tous les problèmes, les difficultés que tu rencontres, de tous les problèmes d'un spirituel. Nous t'appelons encore ce jour. Parce que ce soir encore, nous serons là à cette cellule-là. Donc bien-aimé, tu peux venir. Tu peux venir. Nous sommes du réveil et de la Seigneur Jésus le bien. Nous sommes du réveil et de la Seigneur Jésus le bien. Bien-aimé, tu peux nous contacter également. Sur YouTube, sur Facebook, tu peux nous contacter. Il suffit de te contacter. Sur YouTube, et tu tapes réveil et de la Seigneur. Jésus est bien. Bien-aimé, tu peux suivre les enseignements. Tu peux voir les vidéos, les délivrances. Tout ce que nous t'avons rapporté, c'est Dieu. On n'a pas pris de notre tête. Mais c'est la parole de Dieu que nous t'avons fait connaître. C'est la véritable parole de Dieu qui va nous faire une nation. Qui va se prêcher à tout enfant de Dieu. C'est ce que nous t'avons fait connaître ce matin. Alors, bien-aimé, si tu as entendu. Nous sommes en bazar, nous sommes partout. Alors, que le Seigneur nous reprenons encore le contact. Nous sommes en 07. Donc, tu vas lui dire on va échanger avec elle. Oui, maintenant, quand on va finir, on va voir que elle est la salle de l'église maintenant. Elle est venue d'atteindre. Tu vas la recevoir. Parce que c'est un peu de voir des missions à les gens.